attends, j'ai pas bien tapé. On est en tour. J'ai raté, Cache-toi mieux, je pense. Voilà. Wow, bonsoir. Arrête, c'est quoi, venez, on serre les mains. Comment tu vas, toi? Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On a invité Evic pour faire les challenges de YouTube. Deux ans après la première vidéo, on est de retour. Et là, on va se faire tous les gros challenges qu'il y a sur YouTube en ce moment. Ils sont ouf, non? Effectivement, est-ce que t'as suivi un peu les challenges qu'il y a en ce moment? Alors, pas tous, mais j'en ai vu quelques-uns. Okay. Ah, quand même, il y a des trucs franchement lourds. On l'avait fait à l'époque, mais les temps changent et les challenges aussi. Donc, ça valait le coup de faire une deuxième vidéo avec notre sauce Evic. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? On est bouillant. Moi, je suis bouillant. Okay. Attention. On se fera crier. Ah, ouais, vas-y, ok. 1, 2, 3. Et c'est parti pour le premier challenge, le Fun Challenge. Ok, vous l'avez sûrement vu, ça cartonne en ce moment sur Twitter, ça s'est lancé ce truc-là, c'est énorme. En fait, il faut prendre une Vans comme ça, donc là j'avais une Vans aujourd'hui, et en gros le principe c'est que quand tu jettes une Vans en l'air, elle retombe toujours, peu importe comment tu la lances, sur la semelle comme ça. Tel un chat, me direz-vous. En fait, c'est l'ergonomie, la semelle, le rapport poids-volume. Okay. Est-ce que vous pensez que ça a été pensé comme ça? Je sais pas, ça c'est une bonne question. Et bah moi je pense que oui. Mettez-le en commentaire, est-ce que vous pensez que c'était pensé par les ingénieurs Vans ou non? On verra bien. Allez, go. Vic, vas-y, fais quoi. Alors c'est que Vans challenge ou on peut faire... Moi j'ai des ASICS en fait. McFly, il t'avait dit de prendre des Vans, quoi. Non mais vous savez, je suis en contrat, je vous ai envoyé une paire même de ma collab avec ASICS. Ouais, bon après je t'avais dit non mais effectivement pas grave. Non mais attends, on peut essayer avec ASICS, attends, pire. Ça peut peut-être marcher. Ouais mais c'est la collab que j'ai fait. Aïe aïe aïe, ASICS Mister V, tu connais. C'est la... Je suis sûr que ça marche aussi, attends. Ouais. Voilà. Oh, ça marche pas du tout. Ok, ça marche pas. Allez, c'est bon. Carlito, toi, t'as des Vans? Moi, j'ai des Vans, regardez. Vas-y, mon pote. Les Vans semi-montantes, très belles. Elles sont belles ou pas? Alors, j'ai des gros lacets, ça met un peu de temps. Faites un beat là, improvisez un flow. Ok. Vas-y, je te lance un truc. Je fais dans le son, frère, je fais dans le ciné. Si on baisse pas, paye le dîner. Indépendante à la Guinée. Reggie Miller pour le tirer. Grenoble, laissez la base. Je te demande pas si ça va. Oh! Ah, putain! Ah putain, ça trace. Ok, c'est dommage. Il dit que ça roule. Voilà. Mec, ça t'a frôlé en vrai, gros. Ça t'a juste frôlé, gros. Pas faux, frère, là, non, il abuse, je pense. Mais pourquoi t'as pas visé la table, là? T'as bien, pas fait mal. Vas-y, du coup, prochain challenge 1. Yes. Manger d'une seule couleur pendant 24 heures. Chelou comme ça là, de coup dans la tête. Mais quoi, j'ai pas fait exprès. Non, attends, je suis pas venu pour me blesser en fait. Vas-y, t'avais mis des vannes, ça après, y'a pas eu ce problème. Je t'avais prévenu là, hey, t'étais bien content que t'avais. C'est quoi, ça fait des films avec du boss et après ça prend la prostate. Donc, vous connaissez ce challenge, vous connaissez tous forcément, c'est en tendance tout le temps. C'est le Canadien, et les Canadiens, si je me trompe pas, qui s'appelle Ubi. Ubi, je sais pas comment on dit, qui a démocratisé ce concept. Alors, je crois qu'il est allemand, mais qui vit au Canada. Et du coup, manger d'une même couleur pendant 24 heures, bon, tout a été dit. On va le faire, on a tout préparé, c'est très marrant. C'est des barres ce challenge. Franchement, c'est créatif. On a Max de la prod que vous connaissez maintenant qui va nous apporter nos plats à chacun. Ouais, en fait. Donc c'est Max qui a choisi, hein, c'est pas nous. Nous on a rien choisi. On commence par McFly, gros. Donc il y a pas eu de sélection, c'est McFly, il va manger jaune. Tu sais pas quelle couleur? Moi je sais pas encore. Du coup tu viens quelque... je sais pas quel... viens de dire que tu as mangé. Je parlais à Max, j'ai pas grillé. Bah je sais pas. Non, c'est la prod café, c'est pas nous. On découvre avec toi le challenge. OK Max, amène-nous ça s'il te plaît. On se retourne les gars. Ouais, on va voir ce que la prod a choisi comme couleur pour moi. Max, tu nous dis quand c'est bon? C'est bon. OK, on se retourne. Oh le jaune! Oh là là. Jaune! Oh mec! Eh, trop bien! Danette Virement, si jamais, si ça vous inspire. Oh là là, ça tue mec, j'adore regarder tes mains des frites! C'est de la mangue là? Ouais, de la mangue, des petits chips là, délicieux! Magnifique! Oh là là, vas-y, mets-toi bien sur le déco. Donc là, maintenant, tu dois manger que cette couleur. Y'a quoi? Y'a du maïs, gros? C'est trop bien! À moi! Du coup, maintenant, j'ai envie, Max, s'il te plaît, on se retourne. Non, on retourne, vas-y! À quelle couleur pour toi, frère? Et on se retourne, 3, 2, 1, go! Oh là là! Des barres, mec! Rouge, je kiffe rouge! On a des tomates, on a des fraises, je mets sur le One Piece, des petits poivrons. On dit c'est des pâtes à sauce tomate, mais on dit que c'est rouge. Ça va être ouf de devoir manger des tomates en 24 heures, frère. Ok, ce challenge, on attendait, en fait ça fait longtemps qu'on voulait faire les challenges, donc ça nous fait plaisir de faire ça. Ah ok, bon moi alors je sais pas sur quoi j'ai tombé là, parce que rouge... une autre couleur, hein. Vas-y Max, prépare pour les véhicules, s'il te plaît. C'est bon? Ok, allez, on y va, 3, 2, 1, et c'est le... Let's go! Bah le vert du coup, frère. Mortel! Je sais pas, mais les gars, c'est pourri là ce que vous. C'est du vert quoi! Donc le jeu, faut au moins qu'on mange pour que ce soit intéressant pour les gens. Moi je vais manger une fraise. Non, j'ai la nourriture pourrie, les gars. Donc je vais manger une fraise. Écoutez, question, est-ce que ça te paraît pourri? Oui. Bah non, mais non. C'est vert là, c'est parfait. On mange, allez, frère. Allez, vas-y, on commence. C'est parti, vas-y. Je vais pas manger ça là. Ah, c'est de la balle ce concept. Je vais tomber malade là. Allez, frère, vas-y pour les gens. C'est trop bon. Ok, ça dépense. On va passer au prochain challenge. Prochain challenge. Attends. Bouteille de vin à 2 euros versus bouteille de vin à 200 euros. Ok, donc c'est parti, bouteille de vin à... Attends, refais-le parce qu'il dit qu'il...
Ok, c'est bon. Donc, bouteille de vin. Mec, frère, là. Alors, bouteille de vin à 2 euros versus bouteille de vin à 200 euros. Attention, ça c'est du vin. Quelle année ? Tu levais de 74. Ah, bah, en plus, c'est pas demi-tour, regardez, c'est vraiment 74. Mais oui, ouais, c'est fou. Ouais. Vas-y, on commence avec la bouteille à 2 euros. Bah, tiens, vas-y, commence. Ouais, on la goûte tous, hein. Ouais, on va la goûter. Tu goûtes et on compare. Ok, je commence. Vas-y, vas-y, vas-y. Goûte pour voir. Pas ouf. C'est du vin de cuisine. Bah ouais, c'est quoi? C'est une bouteille à 2 euros. C'est 2 euros, c'est ça, 2 euros, tu vois. Allez, à ton avis, à toi. Tu vas voir, c'est dégueulasse. Bah, je peux goûter. Donc on va goûter la bouteille. Allez. Grave que je la pose. Vous savez que ça s'appelle un limonadier, petit moment culture. Pas mal, ça va. Hop là. Oh, le petit bruit qui porte bonheur. Déjà, ça sent bon. Donc la bouteille à 2 euros était dégueu, ça c'est sûr. On y va. Donc toi, 2 euros dégueu, tu l'as dit. Souvent, ça va être. Mais il faut que vous le goûtiez pour savoir la comparaison. Chine, frère. Chine, frère. Ça défonce, c'est bon. Ça défonce gros. On n'est pas des gros connaisseurs, mais quand même, ça c'est un bon vin ça. Déjà la robe est ouf. Il n'y a aucun tanin. Ah, il est top. Il y a juste une espèce de. Alors vous avez dans goût, Gabi, goût d'amour. Moralité, la bouteille à 2 euros est beaucoup moins bonne que la bouteille à 200 euros quoi. Exactement, donc là plus c'est cher, plus c'est bon en l'occurrence effectivement. Ah, mais faut m'écouter. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez quelque chose contre moi là? Non, t'as quelque chose contre moi. On se rejette, je te mets un petit coup, toi je t'en mets un petit peu. Comme ça, un bon vin comme ça. On va pas le laisser pourrir, c'est clair. Faut pas gâcher ce truc. Allez go. On va prendre le temps quand même de consommer. Bah, tu fais ce que tu veux. Mais je débarque quoi? Toute la bouteille là. On va pas jeter là. Y'a des gens qui, tu sais, qui sont en galère, on va pas jeter. Juste parce que tu veux faire ton ta rosta là. Allez frère. Délicieux. Quand il est bon hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Attends, mais y'a d'autres bouteilles là. Oui, puis on a du pain de campagne et un petit chef. Ok, on fait ça. Et il est bon ce petit vin quand même. C'est. Il défonce, mais ça va, c'est du bon vin. J'arrive plus trop à parler. Ça va, Eric? Dégueulasse. Donc c'est le What's in the Box Challenge. On voulait vous dire aussi, on ne tourne pas dans notre studio parce qu'on est en train de changer toute la déco. Oui. On vous prépare d'ailleurs une grosse vidéo à ce sujet, donc on tourne chez Big Cock pour l'occasion. Et hop, la boîte de White in the Box Challenge. Ça c'est top ça. S'il y a un non-dit, y a quoi? Elle est où le trou? Il est là? Là, il y a les retrous pour mettre les mains ici. Okay. Donc le concept est simple, What's in the Box Challenge, qu'est-ce qui est dans la boîte? On doit deviner sans savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, non, Max, tu peux mettre l'objet? Ouais, ouais, okay, tu peux donc. Mais celui de Carlito, il sait pas, ferme les yeux, retourne-toi. Ouais, pardon, vas-y. Voilà, je mets dedans l'objet que Carlito ne connaît pas. Allez, Evie, allez, ok. Il va toucher un sang. Ça, allez, vas-y. Reset, Men in Black. On est parti. Carlito. Énergie? Moi, ça commence à descendre l'alcool, je gère bien. Allez, gros, c'est parti, tu mets la main et tu dois deviner. Hein. Ok, c'est un sort. Ouais, bien joué! Bien joué, frère! Vas-y, bah alors, Evie, retourne-toi, ça va être à ton tour. Vas-y, les commandes, les commandes. Gaston Bide, il est cool. Ok, je mets l'objet d'Evic dans la boîte. Voilà, voilà. À toi de voir ce qu'il y a dans la boîte. What's in the Box Challenge. Allez, mets-y bien les mains. Allez, vas-y. Regarde pas trop, mets-toi plus là. Ah ouais, voilà. Sinon, c'est pas si je vais essayer d'être quand même. Bon, ok. Vas-y. Non. Vas-y. Alors. C'est une réplique là. Attends, avant de dire. Non, mais c'est ce que je crois là. C'est... Ouais, touche bien partout. Y'a pas le truc orange au bout là, tu sais, comme. Ouais. Parce que normalement t'as pas l'autorisation de ça en France. Vas-y, touche bien. Bah, c'est un pistolet factice. Ouais. Factice. 9 mm, on a, non, mais c'est encore. Touche bien encore pour être sûr parce que t'as un gun, quoi. C'est bon, t'as bien touché. Vas-y, c'est bon. Gaston Bide, tu m'as dit, on est d'accord qu'il monte en flèche. Dans le film, c'est cool de jouer avec Ramzy parce que. Ah, avec Ramzy, parce qu'on parlait avec Gaston Bide. Ah non, il était là, c'était avec Ramzy aussi, et c'est pas trop impressionnant. Voilà. Ok, les gars, c'est parti pour le challenge suivant. 24 heures, menotté. Ouais, donc des mecs comme Pierre Croce l'ont fait, c'est très très marrant. Ouais. Voilà, il faut sortir pour s'amuser, mais rester menotté tout le temps. Ok, donc McFly, t'as les menottes, tu crois? Ouais, c'est parti. Deux paires de menottes. Okay. Ouais, je me menotte à toi d'abord pour commencer. Ah, commencez parce que depuis tout à l'heure, c'est moi qui commence à chaque fois. Ouais, t'inquiète. Oh là, je suis menotté. Attention, okay. Charles, t'es prêt? Les gars, ça va être fou. Ça va être fou ce moment. Après, on sort, on dit qu'on sort. Ok, on y va. T'as mis les clés quelque part, ouais, bien sûr. Là, ici, là. Très bien. Ici, ils sont dans donc, moi, je me menotte à toi. Bah, ouais, c'est. Voilà le concept. Hop là. Regardez, ça y est. Pas de triche, regardez. Essayez de vous barrer sur le côté. Ah, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Ok, donc c'est parti pour toute la journée menottée jusqu'à demain, ça va être fou. Ouais, ouais, bah toute la journée, ouais, en gros 24 heures. Moi, après, je peux pas, les gars, j'ai un truc de prévu. Mais bah, c'est on est ensemble, quoi, c'est parfait, gros. C'est ça. Non, mais c'est personnel, en fait. Ouais, mais c'est encore mieux. Fait. Donc, allez, vas-y, c'est parti, les gars. Tant mieux si t'as des trucs, on verra. Ça va être très marrant. C'est perso. Allez, les gars. Non, mais. C'est des grosses barres, hein, ce truc. 24 heures menottées, gros. Les gars, faut que je passe une toilette. T'as la clé? Oh non, tu veux pisser? Ouais, faut que j'aille pisser, les gars. Vas-y, attends. Non, merde. Ah, non, j'avais mal! Tu prends un kiff pendant cette vidéo? Cut, ça! Oh, merde, c'était pas! C'est ça la vidéo, t'es con! Tu pisses pas, là, quand même!
Là ça pue la merde, David. Attends, je peux pas me torcher mec. Arrête non, mais non. Allez. Les gars, on va où là? Attention. Mais non, mais je peux pas. Attends, c'est... Je vais pas passer là, c'est bloqué là. C'est drôle. Prends Vélib, 600 euros caution. Yvick, t'as ta carte? Ouais, j'ai pas de carte là. La prendre en bourse ou pas? Ouais, t'inquiète. Allez, vas-y. C'est quoi ton code? Filme pas. C'est quoi ton code? Il devrait pas filmer quand je te dis. Filme pas, vas-y. Tu sais quoi, gros, Filmeyer? Vas-y. 45, 44. Let's go! Jamais, tu tapes! Le monteur, je sais pas qui c'est là. Discussion. Tu bipes au montage. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Non, vas-y là, on va se blesser là. T'es relou. Écoute, viens, on lui dit deux secondes. Pause. Mec, tu nous aimes? Ouais. Ok, on se kiffe, nous on t'aime de fou. Bah ouais. Tout ce qu'on a fait ensemble, c'est pas chambé. Bah si. Ok, toutes les vidéos, la rencontre, mec, on appelle des gens au hasard, des taffes, ok. Donc, ce qu'on va faire, je sais que c'est compliqué les tournages, ok. Il y a une part d'impro, il y a plein de trucs, ok. Mais là, on y va pour les gens, 4 millions d'abonnés, on y retourne, on kiffe, ok. Les gens t'adorent, mec. Nous, ça se passe bien pour nous, on y va, on remet de la joie. C'est parmi des énergies positives. Énergie positive. Bon. Allez, tu te mets dedans et ça va rouler tout seul après. Ok, allez. C'est qui? C'est nous. Voilà, c'est qui? Mets un smile à la cam là. Allez, voilà. C'est bon, gros, on est reparti. Ça fait plaisir, ça. On est chaud. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, ah, ça merde. Allez. Oh putain. Ça fait mal, putain. Ne lâche pas le bruit. Ça fait super mal. C'est ma faute. Yvick, tu saoules. C'est toi, vas-y, saoule bien, arrête. On les repose. On les repose. Sérieux, ça saoule. Désolé, Yvick, mais la caution, du coup, elle va. C'est sûr, gros. Elle va sauter. Allez, let's go. Ça marche. Allez. Donc le concept est ultra simple, Yes Man Challenge, t'es chaud pour ce concept, tu connais ou pas Yvick, Yes Man Challenge? C'est comme le film de Jim Carrey, t'as vu ça? Ouais, Yes Man, voilà. Ok, tu n'as pas le droit de dire non. McFly, quelle est la suite des événements? Bah c'est toi qui va commencer, donc on va commencer avec toi. Bah je sais pas, une idée qu'on pourrait avoir, genre vas-y filme-moi ton téléphone. Ah oui, ok, je sais, on avait parlé. Yes Man, ok. Donc tu vas en vidéo, genre confesser un meurtre, ok. Ouais. Il joue la comédie, tu sais faire, ok, il sait faire, il a fait plein de films et tout. J'ai pas tué de gens. Non, ouais. Pour la blague, pour le Yes Man, t'as pas le droit de dire non, tu dis. Yes, tu dois sauter à pied, vas-y. Yes, voilà, c'est ça. Pourquoi t'es pas obligé de dire yes? J'ai tué un mec, c'était jeudi 21. Jeudi 21, à Gennevilliers, port. Port de Gennevilliers, oui. Port de Gennevilliers, voilà, tout à fait. Et je m'appelle Yvick le taxier. Ok, si tu peux dire le nom de Paul et Céleste, c'est trop bien. Allez, comédie. Gros, salut Yes Man, c'est parti. C'est le challenge, gros. Et je l'ai pas tué. Vas-y, gros, là, sérieux. C'est pas grave. Fais le challenge, vas-y, merci. J'ai tué monsieur Paul Esteves le vendredi 21. Jeudi 21. À porte de Gennevilliers. Je suis coupable et je m'appelle Yvick le Texier. Ok, top. Il a respecté son challenge. Alors, t'as pas sur le téléphone, je vous filme moi. On continue. Regarde, il y a un commissariat. Mec, c'est parfait. Donc, toujours dans le Yes Man Challenge plus 24 heures menottées. On va se menotter au commissariat. Ça, c'est des gros parties. Dites-nous si vous avez déjà vu ça sur YouTube, ça m'étonnerait. J'ai vu ça. Non, mais tu sais, au commissariat, personne n'a fait. Attention, les gars, quand même. Voilà. Ok, vas-y, viens. Non, mais les gars, voilà, trop marrant. Mais pourquoi c'est souvent. Se menoter en direct, enfin direct, voilà. Un commissariat, regardez, police nationale, c'est des bars. On le fait. Attends, presque, on y est presque. C'est là. Donc là, on peut rester là pendant des heures. Hein. C'est ça les tournages avec nous, on sait jamais ce qui peut se passer, donc voilà. Attends, qu'est-ce que tu fais? Pose pas de questions. Attends, me détache pas. Attends, détache-moi l'autre du coup maintenant. Tiens, Raph. Ouais, vas-y, t'as pas détaché mon autre. Yes. T'as pas détaché. Hein, David, donne-moi les clés pour les autres, s'il te plaît. L'autre main, David, ça, je peux pas sortir là. C'est le gun de père dans. David, c'est le gun de What's in the Box là. Vous l'avez remis là? C'est quoi, Ben? Pourquoi il y a du sang dessus? Tu lui dis ou? Je crois que t'es bien bloqué là. Oui, mais débloque-moi du coup. Je pense qu'on va pouvoir te dépasser en nombre d'abonnés. Le mec qui fait une vidéo tous les 6 mois et cartonne tout, t'as cru qu'on allait te laisser faire. Attends, les gars, c'est quoi votre délire? Non, j'aime pas comme ça, non? Putain. Mais les gars, c'est ridicule. C'est ridicule, on peut se faire la course aux abonnés, on s'en fout, nous. Mais bon, on s'en fout pas du tout, nous. Tu crois qu'arriver numéro 1 comme ça, ça se fait sans se salir les mains? Compliqué, mec. On en chie, mec. Tous les mois, tous les dimanches, toutes les semaines, mec, c'est chaud. Toi, tu débarques là, tu crois quoi? On va te passer devant, tu reviendras pas, toi. Les gars, moi, je m'en fous de YouTube, moi, c'est le mec. Tu t'en fous, mais nous, on s'en fout pas, mec. Tu cartonnes tout, tu fais l'unanimité, c'est plus compliqué pour d'autres. On a fait ce qu'on avait à faire. Ça, c'est bien. Attends, on espère que cette vidéo vous a plu. C'était les meilleurs challenges de YouTube de c'était avec mon cher McFly. Eh ouais, toujours là, toujours présent sur YouTube pour tout cartonner comme d'habitude. Voilà. Les gars, vous venez me chercher après? Les mecs qui croient que j'ai tué quelqu'un. C'était fou, quoi. Bon, c'est qui le prochain sur la liste? Alors, le rire jaune et Natou juste au-dessus. Allez, on s'occupe d'eux.
yeah, yeah. Alors McFly, alors Carlito, ça veut bien? Ça parle mal? Eh. Hey. Vous êtes mal tombés, les frères! Ok. Yeah. Et ça fait 10 ans que je suis dans le game! Attends, mais je pense un truc. En fait, on n'est pas du tout obligé de diffuser son clip. Ah si! Vous m'avez clashé, je fais une réponse, enfin je. Mec, on est sur notre chaîne, on fait ce qu'on veut en fait, c'est. Ah, voilà. Ah les gars, vous êtes sérieux là? Mais oui, enfin! Non, j'ai pas le droit à un droit de réponse. Genre, Squeezie, il a pu répondre à Cyprien, moi je. Mais tu n'es pas Squeezie, Cyprien! Tu sais pas, voilà! Pire, c'est pas vrai! Car on fait ce qu'on veut, donc. Ouais, on entend toujours. Ça, c'est fou ça! Il est gentil, il est attachant, mais il est chiant. Bon, pause d'âge? Ouais! Allez, c'est parti! Mais on a déjà mangé! Ah oui, et donc ça empêche de remanger! Pourquoi? Non! Allez, bâtard!